Alors au départ, c'était un team building. Et grâce justement à cette, parce que c'est vrai que c'est important d'avoir un chef de délégation, un chef de coopération qui sont vraiment très proactifs par rapport à ce plan d'action du GAP. Et donc ils ont accepté, ils ont même encouragé le fait que ce team building soit organisé autour du GAP et de choisir en particulier le thème des stéréotypes liés au genre. Parce que nous considérons que pour pouvoir accompagner les gens dans le pays où on travaille, il faut d'abord que tout le personnel de la délégation soit clair et sache de quoi on parle. Et donc il était important de voir avec eux justement, d'avoir cette réflexion autour de stéréotypes. Il faut rappeler quand même que dans les délégations, vous avez des personnes, femmes, hommes, d'âge différent, de nationalités différentes, beaucoup de locaux, nicaraguayens, mais également d'Européens. Et je crois que c'était important que nous ayons toutes et tous ensemble cette dynamique. Dans une ambiance jovial en même temps, hein, puisque le team building renforçait la cohésion de l'équipe. Et puis nous avons utilisé une méthodologie participative, très interactive, à travers des petits ateliers.